What's up tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit hack sur GTA V. C'est sur PS3, donc normalement ça doit être pareil sur Xbox, je ne sais pas, excusez-moi, je n'ai pas la Xbox. Je vous mettrai le lien du téléchargement dans la description. Donc il vous suffit de download, il vous faut WinRAR, quand vous l'avez téléchargé, vous l'extrayez sur le bureau, vous aurez normalement ça. Voilà, vous touchez à rien. Hein, vous n'avez pas besoin, à moins que vous ayez envie de faire d'autres trucs et vous y connaissez un peu. Il vous faut une clé USB. Voilà. Donc ça c'est ma clé USB. Vous mettez le fichier PS3 hein, en entier. Et voilà, vous fermez, vous éjectez. Et à tout à l'heure pour la partie sur PS3. Re tout le monde, donc ici on est enfin il faut donc pour avoir le hack il faut aller dans utilitaire des données de sauvegarde, périphérique USB et donc là c'est le celui terminé à 100% et celui-là c'est celui terminé à 95,3%. Donc celui-là c'est celui qui a 1 milliard et celui-là celui qui a 996 millions de dollars. Donc il vous suffit de faire triangle, copier, et voilà. Donc si vous avez déjà aussi une autre sauvegarde, supprimez-la. Enfin, si je veux dire, si vous avez déjà une histoire sur GTA, supprimez-la. Sinon ça va faire un gros bug en fait. Et vous aurez l'émission mais pas l'argent il me semble. Je sais plus. Donc vous copiez, ça va venir là, machin. Là, vous lancez le jeu. Et je vous dis à tout à l'heure. Re tout le monde, alors, on est enfin sur GTA 5. Ta gueule, toi. Merci. On est enfin sur GTA 5. Voilà. Donc, je vais vous montrer que ceci n'est point un fake. Donc, hop. Regardez de là-haut. Ah, on voit mal avec le zoom. Donc. Et voilà, désolé. Donc normalement, il y a tout de terminé. À part, il y a quelques maisons non achetées. C'est les plus chères, c'est celles qui étaient les plus chères. Mais sinon, toutes les courses et tout ça, c'est terminé. Les sauts en parachute et tout. Voilà, donc il vous reste juste l'émission des barques, enfin des bars et tout ça que vous avez acheté. Voilà. Donc c'était Mathieu pour un hack, un petit hack sur GTA 5. Salut tout le monde!